Niccolò Ferrari, le reste du monde, d'une mésaventure, il raconte son calvaire. C'est une figure incontournable de la télé-réalité. Niccolò Ferrari s'est forgé une importante place dans cet univers. Pour sa première aventure, il participe à la 11e saison du programme Les Anges. Le charmeur à l'accent italien a vu sa notoriété prendre davantage de place en raison de sa rencontre avec Virginie. Une séquence survenue lors du tournage de la 5e saison de la Villa des Cœurs Brisés. Au Mexique. Après quelques remous dans la romance, le candidat se tournera vers Victoria Meo. Avec qui il a participé au nouveau programme de W9, le Cross. Toujours est-il que sa carrière aurait pu commencer bien plus tôt, et dans une émission plébiscitée par de nombreux fans, Secret Story. Dans une vidéo partagée sur YouTube, Niccolò Ferrari raconte avoir été écarté de la 9e saison du programme, sans aucune explication. Là, je commence à me dire, ils m'ont pris pour un pigeon, confesse-t-il face à la caméra. Le grand brin au franc-parler rebondira tout de même et passera par une autre porte pour intégrer le milieu de la télé-réalité. En complément du petit écran, les candidats de télé-réalité partagent une relation privilégiée sur les réseaux sociaux avec leurs abonnés. Ils sont nombreux à suivre avec attention le quotidien de ces célébrités. C'est ainsi que ce lundi 12 décembre 2022. Via son compte Instagram, Niccolò Ferrari a partagé une de ses mésaventures. Dans une première story postée, les internautes peuvent constater que le carrelage est très sale et bleu. Dans une seconde story, le candidat de télé-réalité montre un seau d'eau rempli d'une eau très sombre. Les questions fusent. Dans la suite de ses publications, Niccolò Ferrari apporte davantage d'informations. Il montre ainsi un radiateur en indiquant que c'est celui qu'il avait mis dans la salle de bain. Enfin, dans une dernière vidéo, il dévoile le problème, un trou s'est formé dans le tuyau du radiateur. Ça c'est le trou où l'eau sortait, à cause de la pression de l'eau ce matin. Mais le radiateur a explosé et a fait ce trou où toute l'eau sortait à une puissance incroyable. Explique en légende celui qui a quitté le reste du monde. La fin de journée du lundi 12 décembre 2022 s'est donc terminée par une séance nettoyage pour Niccolò Ferrari.